Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Graveyard Keeper et oh surprise! J'avais entendu dire que le gardien de cimetière était un individu extraordinaire. Mais personne ne m'avait prévenu qu'il était également fort bel homme. Et votre barbe est si longue, si séduisante, elle me donne envie de la toucher, d'y enfouir mes doigts. Merci, et plutôt rare d'entendre de telles paroles sortir de la bouche d'une inquisitrice. Cela vous surprend-il qu'une femme belle et intelligente puisse assumer le rôle d'inquisitrice? Elle est pourtant devant vous, très chère. Toutes les inquisitrices ne sont pas de vieilles harpies aigries et solitaires. Sa voix est hypnotique, j'ai l'impression d'être tout nu devant elle. C'est vraiment troublant. Puis-je connaître votre nom ainsi que le but de votre visite? Oh, j'adore les hommes directs. Dame Béatrice! Et je suis à la recherche de quelqu'un. Quelqu'un qui... Quelle est cette odeur répugnante sur ces cadavres? Arrêtez, je vous en prie, l'odeur est insoutenable. Pardon? Il s'agit d'un désodorisant unique et révolutionnaire. Vous préférez vraiment la puanteur des cadavres? Mais carrément! Au moins, elle ne me pique pas les yeux au point de me faire pleurer. Quelle déception! J'avais vraiment espéré une rencontre plus excitante. La prochaine fois, peut-être. Excusez-moi, mais vous avez oublié de me dire ce qui vous cherchez. Des hérétiques, condamnés au feu sacré. Ils se sont évadés de prison et ont quitté la ville, avec l'aide d'un ancien inquisiteur qui a trahi sa foi et son dieu. J'adorerais pouvoir venir en aide, mais je suis au courant de rien sur cette affaire. Ne vous en faites pas, très cher, vous m'avez déjà été d'une grande aide. Hé, qu'est-ce que c'était? Je me sens bizarre. Le trèfle séché, avec une pointe de lilas, s'associe à merveille avec l'odeur de cadavre en décomposition. Ouch! Elle a été transformée en zombie. L'interroger l'inquisiteur. Très bien. Bon. Alors, on a pas mal de petits trucs à faire. Beaucoup, beaucoup de pas mal de petits trucs. Pour l'instant, on va commencer par prendre ça. Et ça. Et on va se diriger. D'abord, on va aller ranger un petit peu nos affaires. On doit aller voir le marchand s'il a quelque chose à nous acheter, à nous vendre ou quoi que ce soit. Voilà. Hop. Les champis, on va les mettre là. Ça devrait être travaillé bientôt. Les pépites d'or. Ah, on n'a pas de papier. Mais on y va. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais faire. N'importe quoi. Me suis trompé. Ça me sert à rien. Au secours. On recommence. Trois. Et quatre. Allez, hop, et du coup, je veux du papier. Trois. Allez, hop, on va aller ici. On va mettre tout ça. Merci. On va étudier ça. On va faire de la poudre, ça. On va faire de la poudre. Ça, parce que pourquoi pas. Ça, parce que pourquoi pas.
Tiens, une armure. Ça va me faire des points rouges. Une hache. Oh là, ça c'est dur. Très bien. Calme-toi, 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 calme-toi. Ici. On va faire ça. Et ça. Voilà. On va les ranger ça vite fait. Le marchand, de toute façon, on n'a rien à faire avec lui de spécial. Crème solaire pour vampire. Le papier. On peut le mettre là. L'histoire aussi. Et on va sortir. Mais juste avant, on va aller s'occuper des cadavres. On en a un bien pour qui est là. Alors, qu'est-ce que tu as d'intéressant? Un cœur noir, on récupère. Il est trop abîmé pour que je le restaure. Ça sert à rien de restaurer un cadavre. Hein. Autant mettre les objets dans les autres. Ça, un bon intestin, ça c'est chouette. Et un cerveau petit. Eh ben, c'est parfait. Une petite goutte de sang serait pas de refus. Un crâne, on en a besoin pour Snake. Bah de la peau, parce que j'en ai utilisé plein, alors pourquoi pas. Hop. Hop. Mettez-moi ça là. Ça sera brûlé plus tard. Toi, t'en es où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ben c'est parfait, t'es fini. On va t'enlever le sang. La graisse. Et voilà, un joli cadavre à 16. Avec donc un moins 2 plus 3. Un plus 3 plus 3 et un plus 3 plus 3. Donc un intestin. Hop. Ensuite ici, toc, 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 toc. Je vais quand même récupérer du sang. Le cœur noir, on va aller travailler dessus. Quand même un truc que je voudrais savoir, c'est ici. Ah bah. Faudra s'occuper de ça plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi deviner, tu vas avoir besoin d'une statue de bronze à la taille d'une église. Ou alors de plusieurs tonnes de littérature politiquement correcte pour les petits anons. Oh, je sais, tu veux un sarcophage en verre et en or pour chaque âne qui est tombé au service de la Révolution. Rien de tel. Le truc, c'est que nous avons échoué, chers camarades. Oula, j'ai jamais vu aussi déprimé. On dirait qu'il va pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rats ont pris le pouvoir au bureau de poste et ils ont établi une dictature militaire. À présent, la situation des ânes est encore pire qu'avant la révolution. Et donc, comptes-tu faire? La seule chose à laquelle je sois bon, t'apporter des cadavres et bouffer des carottes. Tout n'est peut-être pas aussi noir que tu le penses, mes carottes sont succulentes, tu sais. Ouais, bah, il est pas motivé, pauvre. Il m'a l'air bien triste. Voilà, une tombe à 16. Bon, que j'ai pas développé parce qu'on n'a pas encore les outils pour ça. On va donc aller observer le bord de la cascade. Peut-être pas pris le chemin le plus court. J'ai l'impression que c'est le bon endroit. Ils étaient ici. Le jeune, l'astrologue, le
Quatrième gardien. L'œil vibre. Pourquoi est-ce que je pense à des licornes, moi? Ils ont joué au dé ici. Le gardien a triché, l'astrologue y a perdu sa chemise et son pantalon. Et son caleçon. Ensuite, le gardien a essayé d'attraper une mythe. Je me vois bien faire la même chose, mais ils ont attrapé un énorme frelon. Oh oh. Ils ont allumé un feu pour faire cuire du poisson. Jamais entendu parler de poisson venimeux dans le coin. Le gardien a préparé un cocktail en mélangeant 4 types d'alcool dans une même flasque. Oh purée. Ben, je peux faire pareil. Là, le gardien et l'astrologue se sont défiés mutuellement de boire le cocktail diabolique. Et là, ils ont chanté la sérénade, bras dessus, bras dessous. Ah, c'est là que l'astrologue a vomi, deux fois. Ensuite, le gardien a renversé la flasque. Il s'est écroulé... une minute? Là, quatre vampires les ont attaqués juste ici, mais une curieuse magie les a changés en mâchoires. Et bingo! L'une de ces mâchoires se trouve encore ici. Je crois que c'est tout, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à des femmes nues aux cheveux noirs, corbeaux, en train de chevaucher des licornes. Je crois que Clotho la sorcière devrait pouvoir désenchanter cette mâchoire pour moi, et puis me désenchanter moi-même aussi. Ça serait pas de refus. Bien, on va maintenant se rendre au cheval mort. On va parler à Oradric. Regardez, je l'ai récupéré sur le cadavre du vampire. Vous avez réussi, incroyable. Vous avez été d'une grande aide. Merci, merci. Tout le village vous est reconnaissant. Vous êtes notre héros. Ce que vous avez accompli aujourd'hui ne sera pas oublié. C'est voilà qui fait plaisir à entendre. Et donc, ben, ma récompense. Une récompense. Ah, désolé, j'avais complètement oublié. Je dois prévenir que la situation économique de notre village est loin d'être extraordinaire. Radric. Ma récompense. Les obligations de la ville ont augmenté et les récoltes n'ont pas été terribles ces dernières années. Oradric, tenez. Quelle triste époque que celle où même les héros s'avèrent incapables de faire preuve d'un peu de compassion envers de simples villageois. Et en plus, je te vole ton job. Propos de la statuette. Pourquoi pour... Salut, pourriez-vous, s'il vous plaît, me prêter votre statuette de l'ancien dieu? Vous avez parlé de ça. Voyez, vous croyez au crâne qui parle? Je crois même aux ânes qui parlent. Ah oui, cette statuette m'oblige à être triste. Je serais bien content de m'en débarrasser. Demandez à ma femme chaîne où elle se trouve. Le nettoyage, c'est son rayon. Bah voyons. C'est pas machiste du tout. Vous feriez mieux de parler à mon mari, c'est lui qui prend la décision ici. Je sais, mais en fait, non. C'est toi, on le sait très bien. Bonjour à Adric, m'envoie vous demander où se trouve sa statuette. Ah, parce que c'est à moi de me souvenir où range ses affaires. Pourriez-vous lui demander dans ce cas? Sûrement pas. On s'adresse plus la parole depuis une semaine. Allons discuter dehors. Écoutez, Oradric gagne beaucoup d'argent, mais il ne dépense pas un sou pour moi. Tout est dilapidé en gnolles et en filles. C'est sûr. Il est allé à la ville avec Kresvol la semaine dernière. À son tour, il en pestel parfum pour femme. Puis si vous voulez d'autres preuves, eh ben vous avez qu'à vous retrouver. Je suis un garde lorsqu'il fait noir. Ensuite, vous aurez votre statuette. On va lui parler à Radric. À propos de votre voyage en ville. Vous étiez allé à la ville, vous pourriez m'en parler un peu? Non, secret professionnel.
Bon, on dirait bien que Griswold est mon dernier espoir. Alors, eh ben, comme il est trop tôt pour aller parler au fermier, trop tôt pour aller voir Clouteau, trop tôt pour aller voir Clessold, on va aller au camp de réfugiés. Oh. Espérer une quelconque forme de gratitude est inutile. Je devrais m'estimer heureux qu'il ne me jette pas par les pierres. Les pierres. Allez, hop, du Oh. sang. Oh, comme la nourriture normale me manque, je crois que je serais presque prêt à manger du céleri plutôt que ça. Ah, mais tu me payes, mais tu me payes pas beaucoup, gars. Donc on va s'arrêter. À propos de Dame Béatrice, Maître Alaric, vous devez savoir quelque chose à propos de l'inquisitrice Béatrice. Elle m'a rendu visite récemment. Béatrice, le conseil a confié notre affaire à Béatrix? Oh, ils doivent être plus cinglés que je n'imaginais. Que voulez-vous dire? Que savez-vous? Depuis qu'elle a fait son apparition il y a quelques années de cela, des tas de choses étranges n'ont pas arrêté de se produire. Sa carrière a connu une ascension fulgurante. Elle a réuni des centaines de partisans autour d'elle, y compris certains conseillers. Qu'est-ce que cela a de si bizarre? Elle est ambitieuse, intelligente, et sa beauté est indéniable. Enfin bon, c'est pas mon type, mais. Son influence sur le conseil et sur l'inquisition est devenue trop forte. Cela cache quelque chose, j'en suis certain. La corruption, des pots de vin, des petits arrangements, je fais aucun doute. Mais ces choses-là sont assez communes. Non, il y a quelque chose d'autre à l'œuvre dans son cas. Ben, je veux bien lui fournir du sang, mais. Ah, ça y est. Très bien, il n'a plus besoin de sang. Mais tant mieux parce que il n'y en avait pas beaucoup. Là-bas, sa cuisine. Ici, on ne peut plus rien faire. Et ben, on va retourner déposer ces objets-là. Ici, oh là là, les carottes, c'est un vrai problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je récupère ma tourbe. Je récupère ma soie. Mes trucs. Ça. Tout ça. Et puis, ben. Qu'est-ce que je voulais déposer? Bah, du sang, tiens, pourquoi il en a encore besoin? Ça. Ouais. Hop. On viendra plus tard voir ce qu'il en est. Bon, bah voilà, mais il y a un peu trop de carottes peut-être. Hein. Prendre de ça, non, j'ai assez de trucs à manger. C'est juste qu'ils sont, c'est des grands malades avec leurs carottes. Des grands malades. Il y a même du miel. Allez, hop, on va retourner en ville. D'abord, on passe à la maison. On va déposer tout ça, on peut rien déposer, mais j'ai de la cendre, par contre, j'en ai beaucoup. De besoin, il faudra que je me souvienne qu'il y en a là. Ah ouais, on a un vrai problème hein, là. On a vraiment trop de trucs ici. La graisse, les parchemins de téléportation, des clous. Des clous, des chaînes. Ça. La soie. La graisse, la tourbe, ça je pourrais le ranger. On va aller voir à nouveau, bah, puisque c'est pas possible. On va aller au cheval mort comme ça, avec un parchemin de téléportation. On n'a que une 80 pièces d'or, et bah, décidément. Ok, 2,31, c'est parfait. Ça a été vendu hier soir. Oh, lui, il se lève plus tard que ça. Il sera pas là. Bah oui, c'est clair. Oh, regardez, il y a quelque chose. Au beau milieu de la nuit, à la lueur d'une torche, l'apiculteur montre à Creswell les plans d'un canon à abeilles, de grenades à abeilles et d'un pistolet à rayon de miel. Creswell réfléchit et hoche la tête. L'apiculteur lui serre la main puis dépose sur le sol quelque chose
enveloppée dans une couverture. Après le départ de l'apiculteur, Creswell déplie la couverture, puis il passe doucement la main sur la cuirasse ternie par la rouille qu'elle contenait. Ils ont donc déjà fait les objets dont on avait besoin. Bienvenue chez moi. File-moi le fric. Voilà. Ça va, toi? Causeur, qui suis-je? D'accord, c'est pas grave. Pas grave. À propos, l'auberge est à toi. Salut. Propos de son volage en ville. Creswold, où êtes-vous allé avec Oradric la semaine dernière? Du vent, j'ai terminé ma journée, c'est l'heure de m'envoyer un bon gros steak. Pourquoi vous montrez-vous toujours aussi agressif envers moi? Ma vie est dure et ennuyeuse, suis-je contrat? J'ai toujours cru que j'étais forgeron, c'était un boulot intéressant, des épées, des lances, des boucliers. Mais là, je me retrouve à fabriquer des cloches de vache et des cuillères pour l'auberge d'Oradric. Comment le faire parler? Votre vie n'est pas facile. Je compatis. Ah, j'en crois pas. Bon, mais merci quand même. Écoutez, Oradric a acheté un nouveau parfum pour sa femme. Leur anniversaire de mariage approche, il tient à lui faire la surprise. Ben voilà. On va aller pas en parler à Madame Fuchsen. Pardon, pardon. On dirait leur ancien palais, ça, ici. Tout écroulé, en fait. Vous verrez de quoi je parle dans quelques minutes. Creswell m'a expliqué qu'Oradric vous a acheté un nouveau parfum. C'est un secret. Quelle fripouille! Il n'aime pas mon parfum habituel. Préfère encore qu'il se trouve une maîtresse. Prenez votre statuette. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Oups, ça va piquer. Ça va piquer. Ça va piquer. Oh là là, je serais mieux de me tirer. Et on va aller à notre domicile. Parce qu'on peut pas aller chez Clouto. Il est presque midi et doit pas tarder à se lever. Ça brille. Une escouade entière de soldats est passée par ici. 33 types portant des uniformes orange et noir. L'inquisiteur est avec eux. Il leur délivre un discours de motivation, puis les envoie. Capturer Clouto ? L'inquisiteur attend une heure en écrasant des mouches et des moustiques avec un gros livre à la reliure dorée. L'inquisiteur s'en va, suivi de 33 grenouilles orange et noir. Oups. On peut pas gagner à tous les coups. Hein. Coucou Clouto. T'aurais pas croisé des inquisiteurs? Lui demander de désenchanter la mâchoire. Clouto, j'ai une mâchoire et je souhaiterais que vous la transformiez en vampire. Mais avec plaisir, mon joli, ouvrez la bouche. Stop! Je parle de cette mâchoire-là. C'est un vampire enchanté et j'aurais besoin que vous le désenchantiez. Mais c'est encore plus facile, voyons, voyons. Intéressant. Son aura si brillante. Je ne pense pas être en mesure de dissiper une magie si puissante, mon garçon, désolé. Ah, je comptais vraiment sur vous. Êtes-vous bien certaine de ne pouvoir rien faire? Il y a bien une chose que vous pourriez essayer. La teinture de souvenirs. Super, je vous en serais vraiment reconnaissant. Je dois vous avertir, l'un de vos prédécesseurs, le troisième gardien, s'est servi plusieurs fois de teinture de souvenirs. Il m'a dit qu'elle était instable, peu fiable et qu'elle entraînait pas mal d'effets indésirables. S'il a moindre chance pour que ça marche, ça vaut le coup d'essayer. Au fait, vous avez besoin de poudre de souvenir pour préparer la teinture. On voici une pincée. S'il nous en faut plus, n'hésitez pas. Elle est périmée depuis plus de 20 ans, de toute façon. Oh, une dernière chose. Si jamais vous croisez une splendide jeune femme qui m'a acheté une recette d'émulsion de mort, prévenez-la qu'elle est partie en oubliant sa monnaie. D'accord. Merci, Clouto.
Alors, on va aller s'occuper de tout ça. Cœur noir, on enlève. Oh, des chouettes intestins. On va vraiment pouvoir améliorer pas mal de zombies. Hein. Si on en a besoin. Et un cerveau parfait. Excellent. Un petit crâne. Je crois qu'on aura toujours besoin d'un petit peu de sang. La chair, j'ai vraiment l'impression que j'en ai plus besoin. La graisse, tout ça. Prendre le corps, hop. À 3. Prochain coup, on fait une tournée de bûcher. Alors, tiens. Ah ben non, attends, j'ai oublié de ranger les choses. Le cœur. Alors, bah non, les cœurs comme ça, je les prends. Par contre, les intestins comme ça peut servir. Non, j'ai dit je les prenais. Les cerveaux, voilà. Le sang, ça, la graisse. Ouais. Ensuite, voyons cette recette. Teinture de souvenirs. On va aller regarder ce qu'il nous faut. Je serais pas étonné d'avoir comme par hasard tout ce qu'il nous faut déjà. Alors, ça, on va les mettre là. Il devrait s'en occuper. Par contre, ça, c'est pas normal qu'il s'en soit pas occupé. Il est en train de s'en occuper. Étudions ça. J'ai pas de foi. Mince. Je n'ai plus la foi. Et bien du coup, si je n'ai plus la foi, teinture de souvenirs ici. Teinture de souvenirs. Oh, il me faut de la poudre de souvenirs, de la poudre d'argent, de la poudre d'or. C'est incroyable, la chance. Et comment je la désenchante? Préparez de la teinture de souvenirs et appliquez-la sur la mâchoire de vampire. Ouais. C'est peut-être elle que je dois utiliser. Voilà. Dans les yeux à moi. Ah, mes yeux, c'est encore pire que l'ail de berger. Ah, que dalle. Bon, Cloco m'avait prévenu. Restons une fois. Ah, toujours rien. Elle m'en a filé 3. Bon, rien de rien. Une minute, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en retard. Auriez-vous besoin que je vous donne une misérable leçon de respect, misérable vermine? Ce n'est pas notre faute, maîtresse. La ville est devenue beaucoup moins accueillante envers les vampires ces derniers temps. L'ordre des chasseurs de non-morts patrouille la nuit dans les rues avec des filets à chauves-souris. Ouais, c'est un miracle que nous soyons parvenus à arriver jusqu'ici. Bande de ringards, toujours plus d'excuses pathétiques. C'est la seule chose que j'arrive à obtenir de vous. Êtes-vous parvenu à tirer quelque chose de plus de ce prêtre? Nous avons tout essayé, maîtresse, mais Alaric s'est avéré incroyablement résistant. La douleur, le froid, la faim, la soif, rien n'a fonctionné. Alors utilisez la soif de sang, pauvre imbécile. Vous dire que nous devrions le transformer? Mais c'est un terrible péché. Ce sera fait, maîtresse. Ça me rappelle plutôt quelqu'un. Oh non, mes yeux, j'ai l'impression d'avoir passé des heures à fixer le soleil. Mais j'ai appris quelque chose de nouveau. Je dois en apprendre plus à propos de cette femme. Ils ont mentionné l'ordre des chasseurs de nos morts. Berger saura peut-être me parler d'elle. Et puis évidemment, Alaric se souviendra peut-être de quelque chose. Alors, on ira bientôt parler à Berger. Mais pour l'instant, on va aller se coucher et demain, on ira donner la statuette.
Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et à tout de suite pour la suite.